L'objectif, c'est d'établir des constiens en lien avec la mobilité de la population et c'est de permettre à la MRC comme à la corporation d'avoir une base de données à partir de laquelle ils sont capables de prendre plusieurs décisions, des décisions en termes d'aménagement, de transport, de mobilité, d'axes routiers, de développement. Donc les enquêtes servent, en plus de servir à la mobilité des personnes, elles servent à d'autres décisions au niveau de la MRC. Donc, si on regarde la première flèche en vert, ce qui nous indique que 73,5 % des déplacements se font sur votre territoire. Donc, vraiment, les gens restent à l'intérieur de la MRC, que ce soit pour aller travailler, les études, loisirs, commerce. Et puis, la Ville de Québec, entre autres, ce qui est ressorti, c'est 18 % des déplacements se destinent vers Québec. Donc, c'est vraiment les deux destinations les plus importantes. Vous avez un bon taux de rétention au niveau de la MRC. On s'est concentré sur la période de pointe AM, donc environ 5 h 45 du matin jusqu'à 9 h. Puis, on est venu retirer les 16 ans et moins parce que c'est vos gens. On s'est dit, bon, à l'intérieur de la MRC, vous avez du transport scolaire. Donc, c'est sûr que ça vient gonfler la statistique au niveau de votre territoire. Donc, on les a retirés pour voir un petit peu comment allait se dérouler la mobilité sur votre territoire. Et puis là, on voit qu'on passe à 55,7 %. Et c'est la Ville de Québec qui, lui, monte à 33 %. La CTRP a bonifié le service de transport adapté en ajoutant le samedi à son offre régulière de service. Donc, maintenant, c'est plus du lundi au vendredi, c'est de lundi au samedi. Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports confirme une subvention de 319 200 $ pour les activités du transport adapté. La CTRP a incité les Portneuvois à troquer leurs véhicules pour le transport collectif en offrant 3 journées gratis à bord des navettes journalières. La corporation a participé à la planification de la journée portneuvoise de la Semaine québécoise des personnes handicapées de Portneuf. Collaboration à la création d'un répertoire des services de transport communautaire et adapté de la PHP. C'est un petit carton qui a été créé en 2016. On va en faire la promotion, tandis qu'on a la chance, de tous les services de transport communautaire et adapté de la MRC de Portneuf, qui a été piloté avec brio par la PHP.